Bonjour les amis, il est 7h en France. Je suis matinale. Voilà, j'ai décidé de faire ce petit direct en prenant mon petit café le matin. Désolée de m'avoir encore. Normalement, le dimanche, comme ça, je dois dormir encore, me lever un peu tard, mais comme j'ai beaucoup de choses à faire, voilà pourquoi je suis debout. Et ben, je me suis dit, je vais faire ce petit live. Comme ça, on va se réveiller ensemble. Parce que si je dis ce soir, je n'aurai pas le temps. Et ce dimanche, je n'ai pas le temps non plus. Bonjour Marc Fouda, c'est comment tu vas bien? Bonjour Rosette Nana. Voilà, vidéo sans filtrata. Vidéo le matin sans filtrata. Aucun filtre. Aucun filtre. Juste vous montrer que les produits Perfection by Nadège, c'est un produit qui déjà. Brenda Valérie, ça va mon cœur? Tu as bien dormi? Sans filtrata. Vidéo sans filtrata. Quand je la paresse, j'utilise un peu. Regardez. Sans filtrata, c'est le matin, hein, au réveil sans filtrata. Bonjour à toi depuis 3, voici le. Voilà, j'ai pris, je vais pas faire leur publicité, ils m'ont rien donné. L'ingé démaquillant. Je vais juste vous montrer que. Juste vous montrer que je ne suis pas maquillée. Sans filtrate. Voilà. C'est que dans la nuit, je me suis démaquillée hier, mais quand tu te démaquilles, même si tu t'es démaquillée, comment, tu auras toujours un peu de. Où se trouvent les produits? Les produits sont au Cameroun. Donc, moi j'ai un petit bouton là. Mais c'est normal. Les madras, quand ça. Un petit bouton là. C'est un vieil wolos ménopausé qui me parle. Moi je vois encore ma lune. Hein. Je vois encore la lune. Donc j'ai encore espoir. Je ne vais pas encore avoir un retard. Voilà. Ah, la couleur vernis. Ah ouais, merci. C'est l'été, il faut faire des couleurs flashy. Quand c'est l'été comme ça. Donc, je prends mon petit café le matin comme ça. Et on se parle en même temps. Là, je suis en train de faire le héros. Pour aller voir une de mes tatas, elle aime bien le héros. Donc, je cuisine pour aller lui donner. C'était son anniversaire hier. Mais franchement, j'étais fatiguée hier. Hier, je suis partie pour un contrat. J'ai mis long. Après, j'avais trop de choses à faire. Donc, en ce moment, je suis occupée. Mais quand je trouve moyen, je vous fais le live comme le matin. Comme ça, maman dort encore. Donc, comme ça, au calme. Tu as un beau teint. Merci, chérie. Il y a un peu les imperfections. C'est normal. Les femmes, ma lune est finie il y a quand? Ma lune est finie hier. Je vais bien me positionner pour parler de cette affaire. Vous voyez un peu que je suis triste. Je suis triste pour deux personnes. D'abord pour le jeune qui est parti. Le goût de mon fils de héros. Oui, je suis en train de faire le héros. J'ai déjà mis au feu. Alors, je prends ces paroles ce matin pour l'affaire qui concerne l'affaire concernant le défunt Samir. Et Karimo. Karimo, une personne qui est connue. Donc, je suis responsable de ce que je vais dire. Je prends la responsabilité de ce que je vais dire. Si je n'ai pas fait direct depuis, c'est par manque de temps. C'est pas parce que. Voilà quoi. Donc, c'est par manque de temps. Et ce matin, ce dimanche matin, je profite pour en parler avec vous. Normalement, je devais faire le live hier.
Mais je n'avais pas le temps non plus. Voilà. Désolée. Récemment enfilé, j'étais comme ça sur moi que bon. Vous n'êtes pas venu faire le direct comme ça avec la tenue de nuit, avec mon pyjama. Donc pour ceux qui sont un bon réveil à vous, pour ceux qui sont en train de prendre leur café comme moi. Donc, bonjour Karimo. Je sais que tu ne vas pas bien après tout ce qui se passe. Bonjour peuple camerounais. Bonjour à la famille du défunt Samir. Bonjour à la team PDG et ses abeilles, sympathisants et tous ceux qui font le plaisir de me suivre et de me découvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent aujourd'hui. Je salue ma famille ivoirienne. Je n'ai pas encore fini avec vous à Côte d'Ivoire. C'est juste que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, dès que j'aurai un moment, je vais commencer la semaine avec vous. Comment va maman? Maman, elle va bien. Elle va bien d'ailleurs. Je vais l'amener à un mariage demain. Comme ça va lui permettre de sortir un peu. Elle sera sur sa petite voiture roulante et elle se lève déjà, elle va aux toilettes. Bon, elle fait l'effort de se lever. Ça va de mieux en mieux. Merci pour... Donc, merci pour tous ceux qui prennent le temps de faire une petite prière pour ma maman et moi. Surtout pour elle. J'ai pris le temps d'écouter un peu les versions. Voilà pourquoi je viens donner ma parole. Je viens parler aujourd'hui. Si je parle calmement, c'est parce que c'est une histoire très très triste. C'est une histoire blessante. Quelqu'un ne peut pas se casser le bras et en mourir. Du bras cassé, du jamais vu. On sait que même la dent tue. Mais là, c'est la pure sorcellerie au Cameroun. Mes sincères condoléances à la famille de Samir, à ses amis proches et à toute la famille comédienne camerounaise, à tous les blogueurs, parce que c'est un collègue, il était sur les réseaux sociaux. Beaucoup de courage à sa famille. Un jeune comme ça parti, ça fait mal. Je n'ai même pas de mots. Si je prends la parole pour faire le direct, c'est juste parce que, vu que je suis un personnage public très suivi au Cameroun et à l'étranger, je me suis dit, je ne peux pas me taire. Si je me tais, ça serait comme si j'avais peur de parler. Alors si je parle, je parle vrai. Je parle en toute honnêteté, parce que je suis la blogueuse du peuple. Je dis ce que je pense selon les versions. Quand il s'agit de la mort, c'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose de très très délicat. Vous avez vu chez nos voisins ivoiriens, un icône blogueur. Parce que chacun a sa façon de faire son blog. Moi, on me taxe d'une clasheuse. Ce n'est pas grave, j'accepte. Je suis clasheuse quand je veux. Je peux clasher quand je veux. Donc, on me taxe de clasheuse. Chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quoi? D'abord, je suis l'avocat défenseur des femmes et des hommes. Je suis la voix des sans-voix. Je suis maman la vérité. Ma faux, celle qui ne ment jamais. Celle qui ne triche pas. Quand je prends ma caméra, la majorité des gens qui me suivent, la majorité des gens qui me suivent savent que je suis fille qui dit vrai. Que je ne triche pas. Je ne filme pas. Je n'entre pas chez le voisin, dit que c'est mon lit, alors que je dors dans un lit cassé. Ceux qui me suivent font partie de ma vie.
ceux qui me suivent font partie de ma famille. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qui je suis. Je ne suis pas parfaite, certes, mais je suis une fille vraie. Je suis une fille honnête, sincère, aimant. Voilà. Une personne qui aime, qui donne, qui distribue de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de ça, de ceci. En fait, vous savez, en Europe, les maisons sont un peu serrées. Moi, j'ai cogné mon bras sur la porte, sur la poignée de porte, en passant. La douleur de ça. Le bord du lit aussi. Je cogne aussi mes pieds. Quand je passe au bord du lit, je cogne le tibia. La douleur de ça. Donc ici, là, tu es en train de te cogner partout sur les meubles. La douleur de ça. Si quelqu'un s'est déjà cogné sur le bord du lit, la personne peut vous dire ce que c'est que se cogner sur le bord du lit. Le reste là, c'est le fou. Moi, je suis quelqu'un qui prépare beaucoup. Et je ne protège pas mes mains quand je prépare. Donc, je suis une personne qui cuisine énormément. Donc, vous allez voir, soit l'huile m'a brûlé, soit, ben, c'est comme ça. Donc, arrêtez de dire que, de raconter les conneries, qu'il n'y en a pas. Si tu n'as pas encore cogné ton tibia sur le bord du lit, tu ne peux pas comprendre la douleur de ça. Si tu ne t'es pas encore cogné comme ça en passant sur un meuble comme ça là, tu ne peux pas comprendre. Donc, je laisse ça sur le mbrakata des raconteurs de Facebook. Est-ce que ça me gêne? Ça me gêne. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre ou bien prendre la poudre pour mettre là. Je me suis cogné, ça reste là, ça va finir. Vous voulez que je fasse quoi? Oh, oh, il faut cacher. Je cache quoi? Hein? Vous n'avez jamais vu comment tu te cognes. Vous n'avez jamais cogné le tibia, le pied, le... Je ne sais pas. Le jour que vous allez faire, vous allez comprendre. Donc, l'orteil même. Comme si tu vas... Ton pied va seulement s'arracher. Voilà. Mamana, fleur de l'île. Celle qui ne ment pas. Celle qui dit la vérité. Oh, elle dit ce que les gens pensent tout bas. Donc, là, cette semaine n'est pas beaucoup travaillée. Je dois pointer, pardon, pardonner. Donnez-moi la liste de tous les buzz sur WhatsApp, ce que je ne connais même pas. Dites-moi comment ça se passe, je vais parler. Cette semaine, sur Facebook, je n'ai pas gagné grand-chose parce que je n'étais pas très active. Sachez que c'est le bureau. Et à tout moment que j'ai envie de parler, je lance ma caméra et j'en parle. C'est de ça qu'il s'agit. La semaine du buzz, de bubbly. Certains Camerounais sont en train de revenir sur la toile seulement parce que, à cause des buzz. Maintenant, je vais faire pire que Aïcha. Aïcha Kamal, la longue bouche. Donc, hein, s'il y a un Congo, ça, n'hésitez pas, pardon. N'hésitez pas de me dire. Peu importe le Congo, ça, à Gotsoso Tok Daso. Cette semaine, j'ai gagné peut-être 2 900 $. C'est petit. Même la bourse a dit que la bourse de a dit que non, que ça a baissé. Voilà. Parlons sérieusement. Georges Rédemption. C'est comment on en dit là, Annabella? Yembo. Et bisolmé. Mais bisolmé, gars. Et bisolmé. Mais kale. Yetata yem. Voilà. Bisolme mais quand les mengues sont problème tabé. Borosang abiyon vidéo yon aha yon yon Facebook yé. Mais mi bon weki toyom. Toyom. Et atata yem. Avec tes fesses rebondies comme une brésilienne. En tout cas, je t'aime beaucoup. Et tu le sais. Ce n'est pas comme si que wow, wow, wow. Je serai à Los Angeles. C'est le... Que ne t'inquiète pas, c'est le game. Je ne fais pas le game avec toi. Vous aimez trop ça. Un petit truc, c'est le game. C'est le game. Le game de quoi? Ouais, quel amour. J'espère que tu seras à Los Angeles. Parce que tu gagnes beaucoup sur Facebook. Annabella, tu gagnes beaucoup sur Facebook.
Parce que vous, les gens suivis, là, vous gagnez sur TikTok. Vous avez deux salaires. Moi, là, maintenant, je dois acheter un truc là pour accrocher, pour avoir deux salaires. Salaire TikTok, salaire Facebook. Je dois me concentrer. J'ai beaucoup dormi ces jours-ci parce que la semaine de Bob Lee, il m'a donné trop de travail. Donc, j'ai énormément travaillé. Ce qui fait que j'avais besoin de dormir. C'est pour ça que j'ai. Voilà quoi. J'ai eu 5 000. Est-ce que j'ai déjà eu ça? Toi aussi, 5 000 comme ça. Je dois payer aussi le salaire des gens qui travaillent pour moi, non? Je vais peut-être avoir 3 000. Même comme ça, ce n'est pas petit. Donc, je venais parler de Karimo, qui est une sœur camerounaise. Mais avant de parler de Karimo, je reviens un peu sur la version de la copine de Samir, la mère de son enfant, parce qu'il a deux copines. Il y a la mère de son enfant avec qui il n'était plus, et il vivait avec une nouvelle. Et qui a parlé sur Facebook? Je vais parler doucement. Qui a parlé sur Facebook? Pourquoi les Africains ne savent pas parler doucement? Qui a parlé sur Facebook? Moi, j'ai écouté que la nouvelle copine, l'ancienne copine, la mère de son enfant, elle expliquait dans un direct en disant que pendant que Samy était malade, elle ne pouvait pas l'approcher parce que Karimo l'empêchait de le voir. Le gars ne voulait pas dire où il était, ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à voir Samy. Mais elle a aussi insisté en disant qu'un jour, ils ont insisté, ils sont allés à l'hôpital, ils faisaient souvent les prières au couloir. Et un jour comme ça, elle a vu la petite soeur de Karimo entrer dans la chambre où le gars était en réanimation. Il a parlé dans l'oreille, un truc comme ça. Je ne vais pas trop m'en tenir de ça. Mes chers frères et sœurs, il y a un truc ici là que les gens aiment accuser. On n'accuse pas sans preuve. Surtout du meurtre. Si Karimo a fait, que la justice soit faite au Cameroun. Mais il y a une chose que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs. Le gars travaillait pour Karimo, qui est sa patronne. Ils sont à la Kribi pour l'entreprise. Le gars a fait un accident, le bras cassé. On l'a évacué à Yaoundé. On l'a évacué à Yaoundé. Et à Yaoundé, le gars est décédé. C'est à l'hôpital là. C'est la personne qui a opéré cet enfant là. Comment est-ce que quelqu'un, justice pour Samir, comment se fait-il que, que quelqu'un vient à l'hôpital pour un bras cassé, il se retrouve qu'on a prélevé l'os sur les reins, sur les hanches. Ce sont ces organes qu'ils ont prélevés. Ils ont enlevé les organes de l'enfant là. Vous enlevez l'os sur le pour remplacer le bras que il pouvait vivre avec le bras cassé. Oui, il pouvait donc vivre avec le bras cassé. Parce qu'il y a les handicapés ici dehors que quelqu'un n'a pas la main. Vous avez prélevé quoi ici? Sur ses reins. C'est à l'hôpital qu'il faut voir. Ce n'est pas Karimo qui est le médecin. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jaloux qui s'accrochent. Oui, il y a beaucoup de jaloux qui s'accrochent pour accuser Karimo parce que elle fait les produits. Oui, il y a beaucoup de gens qui profitent. Les gens vivent avec le bras cassé, non? Les gens vivent avec le bras cassé. Donc, vous dites que c'est la soeur de Karimo qui a dit. Mais il faut l'arrêter, on l'enferme. Si c'est elle qui a parlé, on l'arrête, on l'enferme. Et pas en Konengi avec les autres. Oui. Le médecin, c'est le médecin qui a prélevé soi-disant l'os. Et comme au Cameroun, c'est la corruption,
Même son teint. Ils ont volé son teint. C'était un métis, non? Comment il est devenu noir? À mon avis, il était métis. Subitement, ils ont volé aussi son teint. Avec ses reins. Justice sera faite pour Samir. Ne dis pas que je prends parti. On n'accuse pas quelqu'un de tuer comme ça, gars. Il ne faut pas dire qu'on prend. Je suis pour. Quand on est en train de défendre Karimo, gars, on n'accuse pas quelqu'un comme ça. Arrêtez de suivre les faits, les gambis de Facebook. Vous êtes jaloux de Karimo. C'est la jalousie qui vous fait. Parce qu'elle a dit qu'elle va acheter un jet privé. Parce qu'elle vit sa vie. C'est vous qui avez dit qu'elle n'aura personne au Cameroun. Qu'elle va que vivre avec le Maguida. Elle a choisi son Maguida, elle vit avec. Où est votre problème? Vous êtes jaloux d'elle. Vous êtes jaloux d'elle. Franchement, arrêtez un peu. Karimo est jeune. Elle est jeune. C'est elle qui l'a. C'est elle qui l'a. C'est elle qui l'a. C'est elle qui l'a opéré. Allez marcher à l'hôpital. Pourquoi la famille là ne marche pas à l'hôpital? Vous connaissez, pourquoi vous ne partez pas marcher, défiler à l'hôpital? Pour dire que bring back les reins, justice pour Samy. Levez-vous, allez faire ça. Que de vous asseoir sur Facebook. Hein? Que de vous asseoir sur les réseaux sociaux. Commencez à accuser. Elle a mal fait de le prendre dans sa société, de le travail. Comme moi aujourd'hui, on me donne le travail. S'il m'arrive quelque chose, quand je suis en train d'aller faire une publicité, n'est-ce pas, je cherche ma vie, c'est le risque. On va dire que c'est la personne qui m'a tué. Hein? Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous lui voulez? On a fermé sa société ici. Fermé ses trucs de gens sans. Vous étiez content qu'on a fermé. Aujourd'hui, ça devient qu'elle a tué. Elle a tué, elle est en liberté. Est-ce qu'on tue, on reste en liberté? Étant en Turquie où elle était, elle a tué. Carrément, moi je vais te dire quelque chose, hein, ma soeur. Ça t'apprendra à aider les gens et toujours te mettre devant pour prendre certaines responsabilités. Hein? Il faut un peu arrêter ta façon de dire un jour, quand il y a un truc, tu vas être la première pour qu'on dise que non, Karimo a fait. Tu as vu où ça t'amène aujourd'hui? Ton nom qu'on est en train de salir, on va laver ça quand? On va laver ça quand? L'autre jour, dès qu'on dit que Cabral, tu prends Wo Milinga, tu dis que tu vas prendre soin d'eux jusqu'à. Il faut arrêter un peu, c'est vous qui faites, on vous accuse. Tu es la seule Camerounaise qui est un peu. Tu peux te mettre derrière. Pourquoi tu es toujours en train de te mettre devant? Hein? Pourquoi tu es toujours en train de te mettre devant? Tu peux te reculer un peu. Hein? Regarde la dernière fois en Turquie. Et partait à la Coupe du Monde là-bas. On a choisi les blogueuses, machin. On prend une maman qui ne sait même pas regarder avec tous les jeunes qu'on a. La dame s'est égarée là-bas. Est-ce que la fille, c'est la fille Cafou s'est occupée? Non. C'est toi qui as payé le billet d'avion. Arrête aussi. Arrête, Karimo. Tu es toujours, tu es quelqu'un qui aime aider. Regarde où ça te conduit aujourd'hui. Je suis sûr que tu ne dors pas, même si on t'accuse comme ça que tu n'as rien fait. Accuser quelqu'un de meurtre, c'est quelque chose de très grave. Moi, je te soutiens parce que c'est que tu n'as rien fait. Tu es une battante. Ils veulent mélanger, mettre le tribalisme, mélanger, poser sur sa tête. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà l'eau Kameni qui lance le Gambi là-bas sur Facebook. Tous les jours, elle prédit que telle va d'ailleurs. Elle prédit les choses. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas pour dire qu'au lieu de prédire, soyez la personne? C'est trop facile. Chacun a sa façon d'entrer sur Facebook. Je soutiens carrément aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça que fait mes projets. On m'a détruit ici à Paris. J'ai perdu 200 000 euros. Hein? Tous les jours, on accuse. Attendez, j'ai mis un truc au feu. Attendez un peu. Non, j'ai mis le R au feu. Je suis en train de bouillir d'abord le coq. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dérange si je parle en découpant la peau de bœuf là? Parce que moi, si je perds le temps, hein, c'est pas un manque de respect, non. Si je. Excusez-moi, est-ce que c'est un manque de respect si je suis en train de. Si je vous parle en découpant la peau de bœuf? Parce que. Perdre le temps pour moi. Non, Karimo, c'est une personne qui aime aider. C'est une personne qui aime être là. Hein? Qui aime être là. C'est une personne, les gens s'acharnent sur elle. Pourquoi? Hein? Arrêtez un peu.
Chacun sort à gauche, à droite. Quand le gars, quand le jeune travaillait, qu'il était bien. Pourquoi sa famille n'a pas dit que ne travaillez pas avec Karimou? Pourquoi vous accusez Karimou? Au lieu de dire que oui, peut-être le jeune aussi a trempé. Arrêtez un peu, ça peut arriver. Même un accident, même ici en Europe où il y a les plus grands. Est-ce que ça vous dérange si je travaille en découpant la peau de bœuf? Parce que, hein, il faut que je découpe. Pardon. Ça vous dérange pas, non? Ça vous dérange pas si je vous parle pendant que je suis en train de découper la peau de bœuf? Non, c'est pas un manque de respect. Parce qu'en fait, le temps que je perds, je peux déjà mettre au feu. Je découpe, je mets au feu. Pardon, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pas grave, non, je peux. Ok, d'accord, pardon, un instant. Gnon, 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 Karimou, gnon, 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 Karimou. Eh, pardon. On va parler. On va parler. Que ça sera trop dans la marmite. La peau de bœuf, là, j'avais ramené du pays. Tu sais, quand tu ramènes comme ça la peau de bœuf, je vais faire le héros avec. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu. Hein? Carrément, carrément, carrément. Mais si le jeune est victime d'un accident de comment on appelle là? Hein? Il faut arrêter un peu. Hein? Peut-être le petit c'est l'hôpital, ça l'hôpital qu'il faut demander. Hmm? Ça l'hôpital qu'il faut demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'une personne, où elle est en Turquie, où elle est où? On commence à l'accuser. Elle a une mère, elle a une famille. Hmm? Hmm? Parce qu'elle a dit que les gens, chacun lui expliquait qu'elle avait dit au gars, accompagne-moi au village, fais les rites. Et le gars est parti que c'est son village. Quelqu'un peut te dire que accompagne-moi au village pour faire les rites. Ils sont faits. Accompagne-moi, comment on dit ton fait pour faire les rites? Il y a les rites traditionnels que tu as besoin que les gens t'accompagnent. Comme par exemple, tu vas aller donner à manger aux gens. Tu dis que ok, je m'en vais dans mon village, tu peux m'accompagner. Je vais aller faire les rites là-bas, donner. Hein? Ce n'est pas que c'était pour aller vendre la personne. Hein? Arrêtez un peu. Quand même. Vous faites vraiment rire. All day travel, vous êtes en train de voir la sorcellerie partout. Hmm? Vous êtes en train de voir que, oh, on a vendu, elle a vendu. Elle a vendu avec quoi? Elle a vendu avec quoi? Non, la dernière fois, il y a eu un truc ici. On a mis le gars en prison. Où il y a un yeuble, où? Hein? Tout le monde a commencé à dire que, oh, on a enfermé. C'est parce que ce sont les choses comme ça. Accuser tous les gens à toi à travers. Hmm? Accuser tous les gens à toi à travers. Carrément, franchement, hein, ma soeur, il faut arrêter d'aider les gens n'importe comment. Arrête de te mettre devant ou devant de la scène. Arrête. Tu as une famille. Tu as ta fille. Tu as ton fils qui vient de naître. Hein? Ça, c'est quoi ça? Hein? On peut voir comme ça que peut-être le gars n'avait pas assez de dos pour l'hôpital. Tu as dit que, ok, je vais prendre la charge. Parce que au pays, il y a l'assurance maladie. Je ne sais pas, là-bas au Cameroun. Il peut avoir l'assurance maladie, mais ça ne fonctionne pas forcément bien comme il faut. Mm-hmm. Tous les jours, vous accusez les gens. Mm-hmm. Vous accusez les gens. Moi, j'ai été victime. Hein. J'ai été victime. Mon grand frère, il m'a accusé d'avoir vendu son pied. Mais il habite chez moi. Au village. C'est-à-dire qu'il habite dans ma maison. Et quelqu'un t'a vendu ton pied, tu peux encore habiter chez la personne. Donc, pour vous dire que ces histoires d'accuser les gens n'importe comment, là, ce n'est pas bien. Hein? Quelqu'un vient à Mondovision, dit que quelqu'un a tué. Tu as les preuves. Parce que vous parlez ça, vous pensez que, oh, comment on met les gens en prison, hein? Hein? Hmm?
connais les gens en gâta. Tu mens sur quelqu'un, demain, non, attends. On accuse que Karimou a tué. Est-ce que le médecin a dit que c'est elle qui a dit qu'on prélève l'organe? On arrête avec le médecin avec. On arrête ça. Vous ne pouvez pas salir l'entreprise de quelqu'un, salir une personne à ce point. Et certains blogueurs, parce qu'ils sont en Europe, certains blogueuses qui veulent la Starmania, parce qu'ils sont en Europe, ils vont dire, ils vont trouver un truc comme ça, ils signent directement sur le buzz là, en train de faire, en train de parler. Quand c'est trop, c'est laid. C'est pas normal, ce n'est pas gentil du tout. C'est pas gentil. Flore a posé la question à l'hôpital. On reste là, on verra justice pour lui, non? Moi, je dis que, mais justice pour lui, non, ma. Mais accuser quelqu'un, justice pour lui. Je ne refuse pas. Personne ne doit mourir, justice pour lui. Est-ce qu'il y a un problème? Mais vous n'avez pas l'accusé comme ça parce que le Ngambi a dit que. Parce que le Ngambi a dit que oui, il y a encore quelqu'un qui va mourir. Pourquoi seulement dit qu'il y a quelqu'un qui va mourir? On le dit que sauvons-t-elle. Il y aura trop les obstacles dans le héros là. Je ne peux pas mettre tout la peau de Bessie. C'est trop, non? C'est trop. Merde. Donc, parce qu'on accuse la masse, accuse Karimou, il faut l'accepter. Moi, on m'a accusé pendant combien d'années ici sur Facebook? Mais aujourd'hui, on voit que tout ce que les filles ont dit, c'est la jalousie. Quand quelqu'un progresse, vous avez fini de dire qu'elle est la bordelle des ministres. Donc, elle n'est plus la bordelle des ministres, elle vend maintenant les gens. Vous aurez toujours à dire. Vous aurez toujours à dire. Ah, pardon, fichez la peau aux gens, dis donc. Fichez la peau aux gens. On ne refuse pas de ne pas pleurer, Samy. Voilà Samy qui est à terre. Voilà Cabral qui est parti. Avant Cabral, il y a la comédienne là. Celle-là aussi qui est partie. Ça fait là trois personnes comme ça. Hein? Et on n'arrête pas tous ceux qui les vendent. Hein? Donc, à l'heure, si là, c'est Karimou qui l'a vendu, comme c'était un blanc. Ce n'est pas qu'il a trempé. Puisque d'habitude, vous avez dit qu'on a trempé, non? L'autre jeune était morte de quoi pulmonaire là. Alors qu'elle ne fumait pas. Ça n'arrive pas qu'aux fumeurs. Du coup, on a dit que oh, c'est elle qui a tué. C'est monté, c'est descendu. Oh, c'est le poison. Oh, c'est ceci. Arrêtez. Moi, je ne suis pas d'accord vraiment. Les gens qui accusent Karimou là, ça se a dit que quoi? On a prélevé les organes, on a vendu à Bafang au village. Arrêtez un peu, dis donc. Arrêtez un peu. Merde, c'est quoi ça? Oh, carrément, a fait que quand les gens vont parler, justice pour Samy, justice pour lui, un jeune comme ça, non? Vous n'avez pas honte? Au Cameroun, comme ça, là, un jeune meurt parce que, ouais, vraiment, après, quand les gens vont venir en bain, on va dire que les gens fuient pour venir en bain. C'est honteux, j'ai vu ça sur le but de Ex-Maléa. C'est honteux qu'un jeune meurt comme ça, là. C'est honteux. Un jeune meurt comme ça, juste pour Samy. Il y aura que je suis allé marcher à l'hôpital. Un truc comme ça arrive. Hein. Sa famille, ses proches. Tant qu'on n'ouvre pas le corps, qu'on voit ce qui est dedans, on ne le prend pas. N'accusez pas quelqu'un. Accusez les médecins, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils enlèvent les organes d'un enfant vivant. J'aime ça, c'est beaucoup, non? Même la peau de bœuf sautée avec le pain, c'est très bon. Attends, je vais prendre le placer du mets dedans. Prendre l'autre. Après, c'est la peau de bœuf que j'avais ramené du Cameroun. C'est séché souvent. Quand on ramène séché, il faut. C'est souvent séché. Hein. Donc, quand c'est séché comme ça, on trempe seulement. On trempe seulement quand c'est séché.
eau de bœuf séchée comme ça. Après, on trempe. Et c'est bon, je prends la quantité, je découpe le reste. Pendant qu'on est en train de causer, je découpe le reste, je vais congeler. Celle-là, la quantité, si ça va. Il y aura aussi la viande dedans. Je vais prendre les autres. Je viens de découper. Je prends l'autre aussi. Je viens de découper. Donc, arrêtons d'appuyer. Parce que vous allez parler. Chacun va parler le nom de Karimo pour chercher la Stamania. Pour chercher la Stamania. On va laisser. On va laisser. Même si on n'aime pas quelqu'un, soi-disant. Même si on n'aime pas une personne. Même si on n'aime pas quelqu'un, on n'accuse pas une personne comme ça. Aller à l'hôpital marcher, que de prendre quelqu'un comme ça, juste pour Samy, ça c'est clair et net. Juste pour Samy, le médecin qui a prélevé, il a prélevé sur la base de quoi? Il a demandé à qui a signé la responsabilité qu'on prélève les côtes pour mettre sur la main, du jamais vu. Du jamais vu. Hein? Ça c'est quoi ça? Qui a autorisé de prendre les reins, de prélever les reins de cet enfant? On a demandé l'autorisation à qui? C'est la personne qui a signé l'autorisation qui est responsable. Il a une famille. Il a une famille. La personne a signé la responsabilité. Qui a signé la responsabilité? Le responsable de tout ça, c'est le médecin qui a pris l'engagement de faire ça. D'aller prélever les reins d'un enfant, de l'enfant de Troui. Je vous ai donné l'exemple que quand j'étais aux États-Unis, j'avais laissé une amie ici, là, qui s'occupait de mamie, qui partait la voir à l'hôpital. Mais au moment où on a vu qu'il fallait qu'on opère son pied, hein, qu'au moment il fallait qu'on opère ma mère, mais on attendait que moi je revienne signer l'autorisation. Pour qu'elle parte au bloc, personne d'autre ne peut le faire. La personne qui est responsable, ça veut dire quoi? Parce que même le blanc ici, même quand tu n'as pas fait la chirurgie esthétique, tu signes. Hein? Tu signes pour dire que même si tu dailles là, tu signes les engagements, toute opération qu'on fait, jusqu'à ce qu'il y ait l'anesthésie générale. Connaissant même les gens au Cameroun qui ne savent même pas mesurer la dose de l'anesthésie. J'ai ma nièce qui est partie dans un hôpital, là-bas au Cameroun. Pour faire sa dent. Là-bas, on dit que le chirurgien prend l'anesthésie, il vole l'autre sur ça pour opérer au quartier. Ce qui fait que quand il a injecté l'enfant l'anesthésie, l'enfant sentait toute la douleur. Mes chers frères et sœurs, l'enfant avait encore mal. Donc, tellement les médecins sont mal payés dans ce pays. Au Canada, on recrute, même ici, on va chercher les médecins. Les médecins sont tellement payés, mal payés dans ce pays que eux, ils volent les trucs. Le médecin vole l'anesthésie. Si on lui donne un demi-litre d'anesthésie pour opérer quelqu'un, il vole encore. Dans le demi-litre, il vole encore. Donc, ce qui fait qu'il t'injecte, tu as toujours mal parce qu'il n'a pas mis suffisamment l'anesthésie qu'il faut. Regardez à quel point la misère. Regardez un peu la misère. Hein. Un médecin, les docteurs du Cameroun, ils volent les aiguilles. Ils volent tout, non? Ils volent les seringos. Ils volent les trucs d'opération pour aller faire au quartier. On les appelle les docteurs. Ils sont dans tous les coins du quartier. Tu entends que ces docteurs là-bas, voilà un docteur, il travaille dans tel hôpital, il est médecin. Alors qu'il suit seulement la salle d'opération par terre. Oui. Un médecin qui réfléchit, hein, il te donne la possibilité de vivre que d'aller dire que prélever pour mettre sur le bras. On peut vivre avec un bras. On peut vivre avec un bras. Ma garçon a vécu avec une dent combien d'années?
On l'appelait arrache-clou ici fatiguée. Elle a vécu avec une seule dent combien d'années? Il faut donner le. Un bon médecin donne la. Il regarde les possibilités. Il te laisse vivre, même si ça avait un bras. On te laisse vivre parce que les gens vivent bien avec un bras. C'est ce qu'on appelle les handicapés. Ils sont à l'hôpital, les handicapés là-bas. Hein? Vous avez vos soeurs qui sont handicapées ici, des longs lolos. Des gros seins handicapés de ça. L'handicap de ça. On les propose même que. On vous opère un jour, jamais. Toujours en train d'emballer la fronde qu'on appelle sein pour mettre dans l'habit. C'est pour ça que je remercie tous les jours le Seigneur, le fait que j'ai amené ma mère ici en Benkei. Même si elle est couchée là-bas, sa chaise roulante. Si elle était au pays, non. Comme elle a eu la plaie diabétique. Ils n'allaient pas chercher à soigner. Ils allaient dire qu'on ampute. Non, ils voyaient seulement qu'on coupe son pied. Alors que le blanc essaye de sauver d'abord. Alors qu'elle est partie sur anesthésie générale, on a gratté toute la partie du pied. Ça dit que creuser, enlever, au lieu de couper le pied, c'est le derrière du pied. On a enlevé que, ouais, le talon. Puisque la blessure a commencé sur le talon. Ça a commencé comme l'ampoule. Après, Ndi, non. Le blanc a vu qu'on faisait les soins, ça ne donnait pas. Le blanc a vu que mieux, on fait quoi? On creuse, on enlève la partie là. Même si elle savait demi-pied. Non. Même si. Non. Le blanc a réfléchi que mieux, elle va rester avec le demi-pied. Donc le demi du demi-pied. Vous comprenez? Voici un pied, non? Voici le pied. Voilà le talon. Le talon, c'est ici là qui est contaminé. Le blanc a préféré enlever le talon et laisser le pied. Si c'était en Afrique, ils allaient dire qu'on ampute. Voilà Maman Guéa. Maman Guéa perd son âme. Elle a été malade. Ils ont amputé un pied. Parce qu'ils sont tellement pressés pour couper les pieds des gens, couper les reins, couper les. Ils ne cherchent jamais à sauver. Tout ça, c'est le raccourci parce qu'il a au moins combien de personnes encore à aller visiter, à aller couper toujours les pieds. Ils coupent les pieds des gens pour faire quoi? Hein? Ils vendent ça où? Chez les Ngambi qui font les Ngambi? Hein? Non, parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on ampute. On ampute par rapport à quoi? Vous avez déjà cherché à sauver. Samy était malade, il est venu avec un problème de bras. Il vient avec un problème de bras. On ne peut pas aller prélever l'os sur ses côtes. Ça, quoi, il voit. Non, mais vous trouvez que. Excusez-moi. Voici Fleur de Lys, elle est en train de découper la viande pour le héros. En coupant, elle coupe un doigt. Quand elle coupe le doigt, elle continue à couper. Puisque quand tu as une grosse blessure, tu ne sens pas tout de suite. Elle continue à couper la viande, la peau de bœuf qui se mélange dans la bassine une fois avec son doigt. Après qu'elle entend quelque chose qui la scie, elle regarde, elle voit que c'est le doigt qui était coupé. Elle commence à chercher son doigt. Entre-temps, le doigt était coupé. Le temps qu'elle a continué à couper, parce qu'elle parlait avec les gens d'Internet, le doigt est mort. Ça n'a pas eu le temps qu'on mette dans les glaçons pour partir coller ça, comme dans Prison Break. Voilà, alors que le doigt reste là. Le doigt meurt, puisque le doigt est coupé depuis, c'est mélangé dans la peau de bœuf, c'est mort. Maintenant, on arrive à l'hôpital, on trouve que le doigt est, on ne peut plus coller. Donc, on va encore me couper, on va me couper l'orteil pour mettre là. Regardez les médecins du pays. Donc, on va aller me couper l'orteil pour mettre ici. Parce que l'orteil, ou bien on va couper notre doigt. Ça n'a pas de sens. Ils ont tué Samy. Le docteur là, il faut le chercher. Le docteur là, non. Les gens qui ont les trucs médicaux, on sait quel docteur c'est. Il faut mettre son nom. Vous mettez ses photos, tout le monde voit le vrai meurtrier. C'est ça. On laisse la possibilité à l'homme de vivre, même si c'est que tu vas vivre avec un bras. Hein? On ne vient pas couper encore l'autre qu'on coupe pour ajouter. Attends. Vous parlez même de quoi? Arrête de manger la viande, c'est ta viande, maman. Je travaille chez quelqu'un.
C'est comme ça que vous êtes toujours. Toi, là, une fille ne peut pas être bonne chez toi. Tu vas rester à la porte pour suivre le morceau de viande qui parle dans la bouche. Oh, arrête de manger la viande. C'est toi qui manges toute la viande quand tu prépares pour ton mari. Tu suivais la viande. Ben, la viande, c'est rien, Emma. Nous, on refuse la viande à la nourriture. Tu sais qu'au pays, vous triez la viande à côté avant de manger. Ben, tu manges d'abord la viande même. Tu tries la viande. Tu entends quelqu'un te dire, ici en Europe, quelqu'un te dit, ne me mets pas beaucoup de viande. Du jamais vu. Au Cameroun, on dit ça. Oh, ne mange pas toute la viande. Si ton mari rationne encore, il faut lui dire qu'il arrête de rationner. Qu'il ne rationne plus 2000, hein. Quand même la banane malaxée, 2000 ne fait pas ça. Même 5000 ne fait pas. Dis à ton mari d'augmenter la ration. Les gars, c'est là qui coupe la ration pour aller boire le ginger au marché. Ne arrête de manger tout avec sa viande. C'est pour goûter. Voir le travail des femmes à la cuisine, elles goûtent jusqu'à. Alors. Maman, vous êtes tuée grave. Il faut arrêter de manger toute la viande, ma. C'est ta viande, ma. Oh, faut arrêter de manger toute la viande. Tu es sérieuse, toi. Les femmes comme toi, vous comptez les morceaux de viande dans la marmite. La qualité de femme comme toi, là. Quand tu mets la viande au feu, donc tu ne peux même pas aller aux toilettes. Si je suis ta bonne, hein, tu mets la viande au feu. Je vole le gésier. Tu comprends? Je vole la partie que ton mari va te chasser du mariage. La nourriture du père. Vraiment, les Africains, hein, avec les kilos de gésier qu'on vend maintenant. Il faut voir, maman. Un jour, j'ai volé la viande. Ça a fendu ma langue. J'ai volé, non. Bon, ma mère, comme je n'avais pas lavé les assiettes, maman Anna, tu sais que nous, moi, elle me promet, elle vient guetter si c'est cuit. J'ai pris la viande. Après, j'ai enlevé, j'ai jeté ça dans la cendre, parce que comme c'était trop chaud. J'ai tapé d'abord ça sur la cendre. Maman, j'ai d'abord tapé ça sur la cendre que wow, machin, avant de reprendre que tu as mis la cendre sur les prunes acides, ma. Je te donne les techniques du village. Arrête de manger la viande crue, chérie. C'est la viande préparée, ma. C'est la peau de bœuf. J'ai trempé. On a déjà fait gratter, gratter. J'ai trempé. Donc c'est mou. Qu'on arrange la viande cuite. Si le teignant m'attrape, c'est ton. Moi, je suis en Bénin. Je suis en Europe. Si le teignant entre dans mon ventre, on va tuer ça ici. Je suis ici. Et parler dans vos hôpitaux d'Afrique, là. Maman, il faut voir quand tu pars à l'hôpital en Afrique que tu n'as pas les dos. On te traite là-bas comme une malpropre. Vous, les infirmiers d'Afrique, les gens qui travaillent dans les hôpitaux en Afrique. Il faut voir. Les gynécologues du pays, là, ont déjà tuer les enfants dans les jeunes filles, dans les ventres. Ce sont eux qui font le curettage au quartier. Oui. Ils font le curettage au quartier. Tu entends seulement les mamans là. Hey, je m'en vais chez le docteur. Il est comme ça au quartier. Ils vont là-bas. Ils payent parce qu'ils travaillent à l'hôpital. Ils rentrent avec les choses de l'hôpital. Ils rentrent avec les choses de l'hôpital chez lui. On connaît tout ça. Le héros, je mets le. Pour faire le héros comme ça, j'ai le. Ici en Europe, on fait le héros avec les épinards. Oui, et au pays, le Ouattalib, c'est les épinards sauvages. Donc, j'ai le Tronkanda. C'est le Tronkanda. J'ai le poisson fumé Tronkanda là. Je fais comme ça. Le reste, je mets au congélateur. Ça me fait au moins même beaucoup de repas, hein. Je vais faire l'autre sauter comme ça avec le truc. Mabéa, coucou Mabéa, c'est comment ma mère? Je vois pourquoi quand tu es malade, tu viens te soigner ici. Hein? Tu viens te soigner ici en Bengue, tu fais tes examens. Pourquoi toutes les personnalités du pays privilégient et viennent ici? Parce qu'ils n'ont pas confiance aux hôpitaux du pays. Même pas aux hôpitaux, mais au personnel. Parce qu'au pays, avec un bâton de cigarette, tu peux demander à un docteur de tuer quelqu'un. Oui, on connaît tout ça. Même avec la nias,
Vous croyez que si une fille vient là, elle dit au docteur qui va opérer que oui, je vais te donner mes gros nibas profondément. Rends-moi un service. Ils vont faire non. Ma peau ne finit pas la peau de bœuf là. Ah, c'est beaucoup, hein. Après ça, maman, les gaz de ça. Les gaz de ça. Heureusement que si je gaze, c'est toujours à moi seul que ça sent. Donc. Je fais comme ça avant de laver encore bien. Donc, au pays, quand tu vois les Ngambi man là, tu entends que donne même le doigt. Les gens vont même à la morgue couper les doigts des gens pour aller faire les remèdes. Il y a la justice divine. Hein? Vous qui tuez les enfants des gens. Mmh. Vous qui tuez les gens. Un jour. Heureusement que Kylian Mbappé est là-bas avec ses parents. Heureusement. Il avait sa famille. Donc on ne peut même pas lui donner quelque chose que... Prends ça, mange ça. Parce que vous les Camerounais... Hmm. Voilà une vraie femme au foyer, ma. Une vraie femme. Pas les tchavoum que vous donnez. Regardez. Quand je serai mariée. Quand je fais comme ça, même le père lui-même est content. Je fais comme ça. Je mets au congélateur. Quand je vais faire un truc, je pense seulement. Parce que j'ai trempé ça pendant 5 jours. J'ai versé l'eau tout le temps. Continent. Vraiment, c'est terrible, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Et les gens qui sont toujours en train de dire qu'il faut cacher là. Quand on a quelqu'un malade, surtout le genre de Samy, là, on ne dit pas qu'il cache à sa famille. Sa famille doit être là. Pourquoi cacher? Vous, en Afrique, vous aimez cacher de ces choses. Je ne comprends pas. C'est en cachant qu'on va le soigner. Parce que vous avez toujours les préjugés que non, il ne faut pas dire aux gens, sinon on va le soigner, il ne va pas guérir. Par rapport à quoi? Quand c'est grave, il faut dire à la famille. Il faut dire à la famille. On ne doit pas vous dire que ne dis pas à la famille. Tu dis à ta famille que je suis hospitalisée à tel endroit. Pourquoi cacher en fait? Pourquoi cacher? Hein? Est-ce qu'on cache la maladie? Quelqu'un est malade, est-ce qu'on cache? Si je suis malade, il faut dire pardon. Quand vous ne me voyez pas, il faut me chercher. Je suis content que quand vous ne voyez pas, vous me cherchez. Hein? Ma faux. Sa famille était déjà là. Hein, sa famille était déjà là. Ok. Parce que il faut pas confondre les choses. Même si Karimo fait n'importe quoi, il n'est pas de sa famille. Hein? Ah ouais, il a des frères. Il a des frères. Donc même si elle fait un truc, ça doit être en accord. Ça, on va rien cuire. En accord avec la famille du gars. Hein? En accord avec sa famille. Il ne faut pas cacher. Pourquoi cacher? Parce qu'on cache, c'est pas bien. Il faut cacher. Hmm? Quelqu'un m'a l'air fait dire. Hein? Parce que quand quelqu'un est souvent malade, a été souvent. Hmm? Faut dire, il a une famille. Il faut signaler. Il y a aussi les hommes que quand ils ne s'entendent, peut-être le gars ne s'entendait plus avec la mère de son enfant, puisqu'il vivait déjà avec une autre. Donc, du coup, il ne voulait pas que les deux se croisent à l'hôpital. Oui. Parce qu'il y avait la mère de son enfant. Et comme au pays, quand les gens font les enfants avec les gens, eux, ils voient déjà qu'ils sont la femme officielle. Non. Avoir un enfant avec quelqu'un ne veut pas dire que tu es sa femme. Oui. Il faut crier justice pour Samy. Mais ce n'est pas parce que tu es la mère de l'enfant de quelqu'un que tu vas croire que... Non. Oui. Parce que j'ai écouté, je suis la mère de son enfant. Il y a des hommes qui font les 5 enfants ici, là. Ma foi, elle a mangé toute la viande. Je vais mettre au feu. Je vais sortir même. Je dois l'acheter la viande de bœuf. Parce que pour faire le truc, il faut mettre le bœuf. Je dois mettre le watali au feu. Je vais aller chercher aussi le piment. Ce soir, je vais...
Ma faute, ils ont organisé pour tuer Samuel et prendre ses organes. Il faut que justice soit faite, non? N'est-ce pas le médecin? Ce qui est bien, c'est que le ministre de la Santé de maintenant, là, il regarde beaucoup les réseaux sociaux. Quand il y a un truc sur les réseaux sociaux qui choque, c'est pour ça que vous devez faire le tapage pour Samy. On doit faire le tapage pour Samy. On doit faire le tapage pour lui. Je vais ouvrir la ligne même le soir. Le soir, je suis à Paris. Je vais voir ma copine. Donc, je vais dire au revoir à ma copine le soir. Sinon, il faut faire le tapage. Moi-même, je vais faire le tapage. Faites le tapage sur les réseaux pour ce garçon. Comme ça, le ministre de la Santé va prendre ça bien. La dernière fois, on a fait le tapage pour une fille qui disait que oui, son enfant, elle était enceinte, elle n'a pas vu l'enfant, maman. Elle m'a contacté. Hein. Ma faut vraiment, machin et tout. Comme je n'avais pas trop le temps, j'ai quand même publié. La fille disait comment elle veut témoigner. Oh, on a pris son enfant, maman. Elle est arrivée devant le ministre, elle a changé de bouche. On ne sait pas pourquoi, mais elle a changé de bouche. Non, oui, elle a changé de bouche directement. C'est comme ça que vous êtes toujours. Elle a changé de bouche. Elle a changé de bouche devant le ministre. Elle a changé de bouche tout de suite, hein. C'était plus que vous. Un instant, les cœurs, je mets le. Un instant, hein. C'est déjà le matin dehors. Hein. Un instant, je mets le truc. Je mets le truc au feu d'abord. Vous savez que avant de parler sur. Vous allez m'excuser, je mets vite faire le truc sur le feu. Je mets vite le héros au feu. Pardon, un instant, j'arrive. Je vais à Pitcher Picard. Pardon, un instant, je mets le truc au feu.
celui-là. Juste que comme je vais... Non à la prélèvation des organes, non à la vente des gens. Oui. Là, il y a un truc. Hein. Non à la prélèvation des organes. Non. Justice pour Samy. Vous devez faire le tapage. Il faut faire le tapage. C'est de ça qu'il s'agit. Justice pour Samy. Attendez. Dimanche, hein? Le dimanche comme ça les gens dorment, donc normalement dimanche c'est la grasse matinée. Mets bien le piment dans l'eau. Ouh, maman Sarah, laissez-moi manger maman, on ne meurt qu'une fois. C'est venu du pays. Justice pour Samy. Bafri. Balata. C'est au village. Au village, on déjeune avec la nourriture. Il faut que carrément arrête de se prendre les devants des choses. Il faut qu'elle arrête de prendre les devants des choses. Ça va lui caler au cou. Elle est victime de sa gentillesse. Ouh, maman, le pimentier. Elle est victime de sa gentille Luba, bien frais, venu du Cameroun.
Les médecins sont responsables. C'est vrai. Le médecin est responsable. Bon appétit, ma promesse, chérie. Je n'ai pas une blanche. Piment là, non. Ma faut le poisson brisé. Non, ce n'est pas brisé, c'est poisson frit. J'ai fait frit ça à 8h, mais je mange ce que je vais mourir, ce que je vais partir avec ce que je vais mettre dans mon ventre. Tu manges à 8h, c'est du poisson, hein. Après, je ne vais pas manger à midi. Au pays, à l'heure, si n'est-ce pas la rue de la joie, les gens mangent déjà. N'oubliez pas, je vais mettre les billets en ligne. Cette semaine, on commence à vendre les billets. Opération guichet fermé. Merci à ma copine, maman Pépé, qui va prendre son salon. Le problème, ce n'est pas carrément. C'est les chirurgiens. Exactement, Péry, ils veulent l'accuser. Comme elle se bat, que carrément a fait que. Ma soeur, quelqu'un parle de toi, déjà, tu mets la personne en prison. Ça leur servira de leçon. Heureusement qu'il n'y a pas de gars parce que tous au CED, je sais, il y a qui au CED. Les Gabonais aiment le manioc. Voilà une Gabonaise. Il faut m'inviter là-bas au Gabon. Hein. Les Gabonais aiment le manioc et le gombo. Ils mettent le gombo dans tout. Tout. Donc ma part se fait comme ça. J'ai mangé moitié de la tête. Le reste, je vais manger après. Je vais vous laisser. Il faut que je commence la toilette de ma mère là. Je vais commencer sa toilette. Je vais m'occuper d'elle. D'abord. Non, elle dort encore. J'attends qu'elle se réveille. Je sais que c'est ma priorité. Quand je me lève comme ça, je dois voir elle. Après, il m'en va chez Picard. Il va acheter ses légumes. Et... Je mange tout. Bois l'eau le matin comme ça. Carmo n'est pas au-dessus de la loi. Bien sûr, elle n'est pas au-dessus de la loi. Ça veut dire que si elle a fait quelque chose, elle sera condamnée, tout simplement. Laissons la justice faire son travail. Rien n'est que. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice Facebook. Il y a un qu'on appelait Peter 007. Il est toujours en prison en Côte d'Ivoire. Ma faut-tu manger quoi comme ça, maman? La nourriture d'hier. Je fais comme la veuve. Quand elle se lève le matin comme ça, elle déjeune avec. Je fais comme mon ex-mari. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser les cœurs. Carrément, elle est au Cameroun. Elle est où? Matin comme ça, tu mets le bâton dans le corps. La journée aussi sera... Là, je m'en vais déjà.
poisson aussi là, je ne garde pas. Je mange seulement pour vous faire plaisir. C'est pas que j'ai faim. Je vais manger le reste après. Bon bah. Heureusement que je n'ai pas le gigolo. C'est que quand je fais frit comme ça, c'est lui qui mange, je regarde comment j'avale la salive. Les gars qui sont là dehors, qui disent que wow, sachez que je suis bien seul. Quand je frit mon poisson, j'ai fait frit un hier, j'ai coupé en deux, j'ai mangé une partie. Je viens de manger l'autre. Si j'étais avec le gars, c'est que c'est lui qui mange la queue du poisson, je mange la tête. Il est bien vrai que j'aime la tête. Donc, maman, je mange ma nourriture comme ça même une semaine. Avoir les gars, c'est le problème. Toujours à réfléchir qui va manger quoi, comme si c'était ton enfant. Surtout les gens, des gars qui discutent la tête du poisson. C'est ma partie. C'est lui qui a acheté, non. Attendez, quand il mange avec les mains, je lave les mains, je reviens. Oh, ah, c'est mon os. Oh, ouais. Les gars qui disent, je veux, c'est ma tête, c'est ma tête. Laisse-moi la tête. Ouais. Les gars camerounais, vous me faites rigoler. Un gars qui habite chez les femmes ici dehors. Discute la tête, hein. Oh, c'est mon os. Il a rationné, non. Il discute avec toi. Tu prépares. Ça, mets bien le sel. Eh, les condiments. Pendant qu'il m'a critiqué, il mangeait. Non, ce n'est pas bien. Il ne laisse pas. Oui, le sel n'est pas bien entré. Tu pouvais encore comme ça. Bah, j'ai mangé mon poisson seul, même si le sel n'est pas entré. Je bois la bouteille parce que c'est ma bouteille que je bois toute la journée. C'est pour. Ouf. Merci. Merci Seigneur. Bon dimanche. Les gars de Paris, les gars de Mbé, il faut les voir. Oh, c'est mon os, donne-moi l'os du milieu. Non, on m'a battu avant. Tu as raisonné, hein? Il a rationné, non? Que quoi? Vous voulez que ma pour la monétisation de ce mois-ci, c'est combien? Bah, n'est-ce pas le mois bien de commencer, chérie? Je sais que la semaine, j'ai eu 2 900 $. Donc, cette semaine, donnez-moi la liste des personnes qui m'ont cherché les poules, même si c'est au Gabon. Blessé de guerre au Gabon, un Gabonais qui escroque les gens en disant qu'il va ramener les enfants des gens en Beng. On va parler de ça. Tous ceux qui m'ont insulté, qui ont la visibilité, donnez-moi leur. Moi, je ne fabrique pas. Moi, je ne veux pas parler des gens qui ne m'apportent rien. Hein? On va faire le remember. Tous ceux qui ont insulté les gens, parlez à Fombo. À Fombo, c'est qui? Ma femme là. Ma faux, et l'eau que tu buvais dans le verre. C'était fini, non? Ma, tu dis bien que tu buvais dans le verre. Donc, le verre ne va pas se vider. Donnez-moi la liste des gens. Tu as lavé les mains et tu remontes. Oui, quand je mange surtout le bâton, quand ça colle. Je lave les mains, je reviens encore manger, chérie. On revient sur ma femme là, non? Tu as fini avec pipi? Non, pas encore. On n'a pas fini avec pipi. La raison, il te donne. Ah, Péry dit que d'accord, donc on laisse à Fombo.
Elle ne peut rien m'apporter. On va parler des gens, s'il vous plaît. Les gens qui me cherchent, en Côte d'Ivoire, qui m'a cherché pour eux là-bas, parce que eux là, hein, leur stamania là-bas donne les dos. On continue avec Bob Lee jusqu'à son réveil. Qui m'a attaqué en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, donnez-moi la liste. Bossangi, une vieille chouette, elle apporte quoi? Ok, on va laver Bossangi. On va laver Bossangi. Donc le soir, non? On ne veut plus ma femme là, d'accord? On lave alors Bossangi. Vraiment, ma faute, tu me rends heureuse. Et ils peuvent vous rendre heureuse comme ça. Hmm? Non. Mais que je vous laisse. Bisous, non. J'ai affaire. Il faut que c'est dimanche. Il faut que je j'ai mes trucs à faire, là. Bisous. Attendez, je mange l'os là-bas. L'os, alors. Ouf. Voilà l'os que les bassas, non. Les filles bassas que vous voyez, là. Je veux trahir. Je vais trahir. Ça ne chauffe pas. Je vais trahir. Les filles bassas que vous voyez, là. Voilà là où ils mettent le ngrimba. Mm-hmm. Ils mettent ça ici dedans, dans la tête. Mm-hmm. Désolé, mes anciennes belles-sœurs. Les filles bassa, voilà là où ils mettent le ngrimba, dans la tête. Quand tu manges, tu cales. Elles te lavent n'importe comment, tu es toujours là. Mm-hmm. Le ngrimba, c'est dans la tête. Hmm. J'ai jamais compris comment en Afrique on braise la raie de poisson. Je vais la laver, je pose le cercueil de sa mère. Hmm. Et elle avait posé le cercueil de sa mère. Je cherchais la maison. Tu veux la fabrication, non? Et que je suis à Los Angeles. Et à BS, elle me dit non. Mais c'est bébé Coco. Doudou est où? Pourquoi tu la cherches? Hmm. Voilà. Quelqu'un dit que... Donc, toi, tu cherches Doudou, pourquoi? Oui. Mmh. Hey, José. Je t'aime tellement, mon amour. Moi, je t'aime. Ma foi, j'arrive au pays. Je suis à Pretoria. Je vais filmer tout ça pour toi. Mmh. Les amours. Je te dis, je mange seul. Quincam, bonjour. Fatou Traoré. Parle une gabonaise qui veut la fabrication. Ma faut pardon, fabrique-moi. La fabrication, c'est 1000 euros. Mmh. Comme ça, j'avais parlé à Tatou que je vais le fabriquer. Il m'a dit 500. Tatou. Mais plus on mentait, Tatou. Merci mes cœurs, je vous embrasse. Bisous, je coupe le direct. Bisous.